Alors, petit tutoriel de cuisine de Caen. J'ai récolté tout ce que j'avais besoin, donc du bois sec, ici à la plage. C'était facile. Puis, vous faites un petit trou dans le sol. La pierre ici, c'est pour que les cendres tombent pas plus bas. J'ai mis trois pierres pour déposer après la casserole. Et voilà tout. Simple, non? Alors, je vous invite pas à faire à enfreindre la loi comme je le fais. Parce qu'apparemment, c'est interdit de faire des feux ici. Mais il y a un petit bar de nudistes là plus loin. J'étais demandé s'ils avaient de l'eau chaude d'abord. On dit non. Et puis j'ai demandé oui, mais c'est interdit de faire du feu ici. Et le gars m'a regardé. En fait, la journée, ok. Mais la nuit, personne ne va te voir. Donc, voilà. On va faire de la soupe. Encore de haïki. Mais ce soir, j'ai particulièrement faim après avoir nagé. Donc je vais me faire deux soupes. Soyons fous. Et par sécurité, même si normalement ça devrait aller avec un petit feu comme ça, j'ai toujours un peu d'eau sur le côté si le feu devient trop fort. Et après, c'est pratique pour laver la casserole. Donc voilà, faites attention. Franchement, j'aime bien les soirées comme ça. Je suis posé, j'ai tout ce qu'il me faut. On se prépare, le manger se prépare. Mon lit est déjà fait. J'ai une belle vue. Et d'un côté, et de l'autre. Qu'est-ce qu'il me faut de plus? La vie est route. Dernier plat chaud, c'était le même haïki le premier jour. Ça fait du bien de manger chaud, franchement. Je sens que l'énergie me revient pour demain. Si tout va bien, on va arriver à Gibraltar. Et si on arrive à Gibraltar, après-demain, c'est déjà le Maroc. Tout va bien. Continuons comme ça. Allez, je termine de manger et je vais faire dodo. Comme ça, demain, on est parti très tôt. Ciao! Bon, j'enregistre avec mon téléphone parce que j'ai plus aucune batterie sur la caméra. Putain, quelle soirée hier quand même! Avec la plage, le petit feu, je suis resté un peu plus longtemps après avoir mangé finalement. J'ai pas senti le temps passer, je sais pas à quelle heure j'étais dormir. Parce que j'ai continué le feu. Là il est 8h du mat, je suis toujours sur la plage des nudistes. Je vais faire mes affaires. Et je vais essayer de trouver un endroit en ville pour charger les caméras.
Donc du coup, vous n'allez pas voir ça, et puis de toute façon, c'est rien d'intéressant. Et pour la plage de nudistes, ouais, de toute façon, c'est interdit de filmer, même si je sais que vous voulez voir ça, bande de pervers. Et voilà. Putain, il est 8h du mat, et il y a déjà des gens à poil qui nagent. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça trop drôle. Voilà, donc on se voit tout à l'heure sur la route, j'espère. Allez. Ah ben voilà, j'ai pu un peu recharger les batteries dans un centre de plongée. J'ai rencontré un monsieur belge pensionné qui était professeur à Anderlecht, donc pas loin de Seria. Et il m'a déposé sur la route vers Malaga. Donc je vais essayer de choper le plus possible vers Malaga et vers Gibraltar. A tout de suite. Ça marche pas très bien, t'as 10 km. Bon, c'est déjà ça. Hein. Malaga, Almeria. Faut que je check sur la carte. Almeria. La 7, normalement, c'est celle qui mène vers Gibraltar, seigneur. J'avance que 10 km. Voilà. Bon, vu que j'ai passé toute la France et presque toute l'Espagne et que le prochain but c'est Gibraltar pour prendre le bateau, il est peut-être temps que je vous parle un peu d'autostop en Europe. Alors, en France c'était facile parce que je suis resté sur les grandes autoroutes. Du coup, vous avez toujours des camions qui y vont, vous avez des gens qui vont en vacances. Ce genre de truc, donc c'est plutôt facile. En Espagne par contre, une fois que j'ai quitté les grandes routes, bah c'est un peu comme aujourd'hui, quoi, c'est un peu la merde. Du coup, voilà, les gens voient comme si j'étais un con, mais voilà, hein, on est fou ou pas. Sinon, tout au long, que ce soit en France ou en Espagne, vous allez croiser... En fait, il y a différentes sortes de personnes qui s'arrêtent. Le plus souvent, les personnes qui s'arrêtent en Espagne ou en France, ben, ce sont des gens qui soit connaissent l'autostop, soit qui ont déjà un peu voyagé aussi. Je crois que j'ai encore eu... Si, j'ai eu une personne qui était espagnole et qui n'a jamais quitté l'Espagne. Mais sinon, la plupart du temps, c'est des jeunes qui s'arrêtent ou des personnes qui ont déjà voyagé. J'ai eu la dame qui a étudié en France, la vieille dame qui m'a ramené jusqu'à Cartagena. J'attends pour les voitures. J'ai eu aussi des étudiants qui ont fait des Erasmus, des trucs comme ça, donc ça marche très bien. Sinon les autres, je crois qu'ils ont un peu peur de s'arrêter. Sinon tout au long de votre route, vous allez croiser aussi des étrangers, parce qu'évidemment il y a beaucoup de gens qui vont en vacances. Vous avez des Zélandais. Les Zélandais, eux, ils sont ouverts, mais ils s'arrêtent pas vraiment. Moi, j'ai eu des Zélandais, mon premier stop c'était des Zélandais. Il y a des Français. Alors les Français, eux, ils voyagent souvent avec les... Comment on appelle ça? Les voitures dans lesquelles tu peux loger. Donc ils ont tout, quoi. Ils ont la cuisine, ils ont les lits, ils partent avec tout. Et donc évidemment, ils ont que de place et ils te prennent pas. Vous avez aussi des plaques belges. Pas mal de plaques belges. C'est ce qui m'a étonné. Des Belges typiques, mais qui sont là plutôt pour les vacances, ils s'arrêtent pas. Des plaques belges et françaises,
sont des Marocains. Ce sont des Marocains qui font exactement presque la même route que moi, parce que la plupart du temps ils vont jusqu'à... Je ne vois plus le nom de la ville, mais il y a aussi un bateau qui part de là, qui prend les voitures. Ils vont tous au bled. Et là, les Marocains, qu'ils veuillent vous prendre ou non, oubliez. J'ai même arrêté de leur demander parce qu'ils ont à chaque fois 5 personnes dans la voiture, les bagages, la famille, tout ça, tout ça. Donc, qu'ils veuillent vous prendre ou non, de toute façon, il n'y a plus de place. Voilà, j'espère qu'on va arriver à Gibraltar quand même aujourd'hui parce que c'est pas que j'aime pas l'Espagne, hein. J'adore, franchement, j'adore ici, mais le temps presse. On est déjà samedi, donc ça fait déjà 6 jours que je suis parti. Et si demain je pourrais prendre le bateau et arriver au Maroc, ce serait parfait. J'ai envie de voir Gibraltar aussi, j'ai envie de vous montrer. C'est quand même un endroit important et assez drôle vu que ce n'est pas espagnol, c'est anglais, si vous ne le saviez pas. C'est comme un département d'outre-mer, mais qui appartient à l'Angleterre. Et pour ça, je vais plus un peu vous en parler une fois à Gibraltar. Ce serait cool qu'on monte dessus. Voir les macaques aussi, parce que Gibraltar, c'est le seul endroit où on croise des macaques en Europe. Des singes, quoi, tout court. Donc, croisez les doigts. Moi, je continue à marcher. Et je vais voir s'il y a peut-être quelqu'un qui s'arrête, sinon, ça va être la merde. Allez. Bon, ça marche pas du tout. Je vais faire un truc bizarre, mais je vais essayer de marcher le long de la route. A7, donc ma direction. C'est pas que je vais y arriver à pied, mais peut-être que si les gens me voient marcher, ils seront plus... Ils auront plus envie de s'arrêter. On ne sait jamais s'il y a une station d'essence sur la route. Ce sera plus facile à la station d'essence. Je suis un fou moi putain. Au moins, je peux pas me plaindre de la vue quoi. Voilà. En fait, au bout des 800 mètres, il y a un espèce de rond-point qui rentre sur la 7. Peut-être que ce sera plus facile de choper là. Si je chope tout de suite là et que j'ai perdu presque 2 heures, 800 mètres plus bas, je râle. Putain, je crois qu'il y a une station d'essence. Oh, parfait tout ça. On va à la station. Il faut juste que je passe les barrières. Je sais pas comment je vais faire là, le chemin s'arrête ici. Comment est-ce que je vais faire? Avec mon sac, ça va être difficile. Hein. What the fuck is this? Alors maintenant le truc c'est que je suis dégueulasse. Parce qu'évidemment marcher avec un sac comme ça, c'est pas évident. J'espère que les gens vont pas râler parce que je suis dégueulasse.